Bonjour. Pour nous, l'amélioration de la résolution collective de nos grands défis contemporains, et notamment en ce qui concerne l'éducation, passe par nos villes, nos quartiers, nos territoires et nos communautés. En effet, nos villes sont au premier plan de la réponse de l'humanité aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Si je devais vous en convaincre, voici quelques chiffres emblématiques. Jusqu'en 2007, une plus grande partie de la population mondiale vivait en zone rurale par rapport à la ville. Aujourd'hui, d'après les Nations Unies, plus de 55% de la population vit en ville. Et ce chiffre devrait atteindre 70% d'ici à 2050. Les villes, paradoxalement, ne représentent que 1% de la surface de notre planète. Et pourtant, elles contribuent à plus de 70% aux émissions de gaz carbonique. Ainsi, les manières dont les villes vont répondre à la crise climatique et activement participer à la transition vers une économie bas carbone vont être déterminantes pour maintenir un écosystème mondial viable pour les 100 voire 50 années à venir. Les manières dont les villes vont s'approprier les nouvelles technologies et utiliser ces technologies soit comme des outils de contrôle et de surveillance, ou au contraire comme des moyens d'améliorer le vivre ensemble et le progrès individuel et collectif, va définir les paramètres de l'expérience humaine de la liberté. Les manières dont les villes vont répondre à la crise de la démocratie va également déterminer l'expérience et le vécu des droits politiques de millions, voire de milliards de personnes. Ces villes vont-elles être capables de créer des forums collectifs, de rencontres qui encouragent la découverte de l'autre, la négociation, le compromis et l'imagination? Ou à l'inverse, ces villes vont-elles devenir des espaces d'exercice d'un pouvoir oligarchique? Ces enjeux pour les villes sont majeurs, et nombreuses sont les réponses et directions envisagées dans la définition de la ville de demain. De partout, on entend des appels à des villes plus résilientes, des villes vertes, des villes heureuses, inclusives, intelligentes ou encore rebelles et créatives. Dans ce contexte, notre conviction est simple. Pour un avenir durable et juste, l'éducation et l'apprentissage doivent être des éléments centraux et essentiels de toute réflexion autour de la réinvention de nos villes. En effet, apprendre est un processus fondamentalement social, à travers lequel des individus, des groupes et des organisations vont s'approprier et comprendre le monde qui les entoure, vont affronter des défis, vont imaginer des nouvelles possibilités et construire de nouvelles relations, et vont ainsi favoriser le progrès individuel et collectif. Apprendre pour nous n'est donc pas limité au processus d'éducation formelle, à l'école ou à l'université. Plutôt, apprendre est un processus sociétal puissant qui est central à toute transformation sociale, notamment et plus encore dans nos villes. Ainsi, mieux comprendre comment nous apprenons au quotidien dans nos villes, en nous rendant au travail, en allant au musée, au restaurant, en déambulant dans les quartiers historiques ou en nous promenant dans les parcs. Mieux comprendre comment cet apprentissage peut être nourri et facilité par des individus, des communautés ou même l'espace public physique. Mieux comprendre donc comment nous pourrions véritablement transformer le fait d'apprendre au niveau d'une ville, de nos villes, doit être pour nous au cœur de la réflexion de quiconque souhaiterait transformer nos villes et l'éducation. Or, s'il est certain que depuis plus de 10 ans, nous constatons un foisonnement d'idées et de solutions, d'une part du côté de l'innovation urbaine, de l'autre du côté de l'innovation en éducation, force pour nous est de constater que la rencontre des deux n'a pas forcément eu lieu, et qu'il y a encore tout un territoire à la croisée de ces deux mondes à explorer et développer pour encourager et soutenir de véritables villes apprenantes. Nous militons donc pour que nous capitalisions sur la formidable capacité d'innovation de nos villes et de leurs citoyens pour véritablement penser et repenser l'ensemble de nos communautés et de nos espaces urbains comme de véritables espaces d'apprentissage qui viennent compléter et renforcer l'éducation formelle. Et ce faisant, créer de véritables écosystèmes d'apprentissage urbain. Évidemment, repenser l'éducation au niveau des villes, faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de le faire, voire repenser l'espace physique de nos villes, n'est pas forcément si facile que ça. Et en effet, la création d'écosystèmes d'apprentissage urbain nous amène à nous poser de nombreuses questions. Qui doit ou pourrait faire partie de ces écosystèmes? Les écoles, les universités, les employeurs, les entreprises, les mairies, les municipalités, les musées, les restaurants? Quel modèle de collaboration et de gouvernance pour ces écosystèmes? En effet, qui peut en prendre le leadership? Et comment faire collaborer
toutes ces entités? Peut-on s'inspirer des modèles innovants en collaboration issus du secteur privé? Quel public cible, ou devrais-je dire quels apprenants cibles? Les élèves du primaire, du secondaire, des universités, ou les apprenants tout au long de la vie? Quelle pédagogie et curriculum pour ces écosystèmes? En effet, qu'est-ce qu'on y apprend et comment l'apprend-on? Quel modèle de mesure de cet apprentissage? Peut-on faire passer des tests, des devoirs sur table? Enfin, quel modèle de reconnaissance et de certification de ces apprentissages? Est-ce qu'on va parler de diplôme, de badge, par exemple? Beaucoup de questions, mais la bonne nouvelle, c'est que certains y travaillent déjà, et je vous encourage à y découvrir les magnifiques travaux et projets, comme le projet Cities of Learning, initié par l'organisation britannique RSA, dans les villes de Brighton et de Plymouth, et qui a développé des parcours d'apprentissage à travers ces deux villes pour aider les jeunes à développer les compétences spécifiques demandées par les employeurs locaux et non acquises à l'école. On pourrait parler aussi du projet Learning Cities de l'UNESCO, qui réunit plus d'une centaine de villes à travers le monde pour réfléchir à comment activer un apprentissage tout au long de la vie dans ces villes. Ou encore le réseau NetEDU, qui travaille depuis Barcelone en Espagne, pour accompagner les écoles dans des démarches de création d'écosystèmes urbains. De notre côté, nous travaillons avec WISE sur un laboratoire vivant en recherche-action autour de ces écosystèmes d'apprentissage urbain et pour accompagner et aider tous ceux qui souhaitent mettre en œuvre de tels écosystèmes. Le voyage ne fait que commencer. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.